Et non, désolée de te décevoir, un maquillage, c'est jamais aussi rapide. Hello Perfection, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer un peu l'envers du décor, les coulisses de Perfection Imparfaite. Et croyez-moi, c'est pas de l'amour. Donc voici l'endroit où je fais mes vidéos, donc c'est le bazar, concrètement le bazar. En plus là j'avais besoin de feuilles, de fleurs, de machin, donc il y a plein d'insectes, il y a plein de trucs, c'est le dawa. Donc voilà où j'évolue le plus clair de mon temps. Évidemment, je sais pas où sont mes trucs, il faut vraiment que j'investisse pour me faire un petit grand make-up, mais là c'est hors budget pour le moment. Donc évidemment je paume mes crayons, mes trucs, mes machins, mes eyeliners partout dans mon bazar environnant. J'essaie de faire le mieux que je peux, mais des fois, bon, voilà. Alors comment je travaille? En général je dessine sur une feuille ce que je veux, à peu près à quoi ça ressemblait. Donc bon, au départ j'avais choisi de mettre une perruque rouge. Finalement je me suis dit qu'avec les roses et tout ça pouvait être plus sympa, donc j'ai fait ça. Je voulais aussi mettre des petites fleurs. Mais elles ont fané avant que je puisse le faire. Donc voilà, en gros je mets mes idées sur papier. Avec là, je vais peut-être mettre en post-prod une grenouille sur mon épaule, je sais pas encore. Du lierre dans les cheveux que du coup j'ai pas fait, mais j'ai mis du sapin, de la mousse, tout ça. Donc, et les lentilles noires. Mais j'ai eu trop de mal, j'avais tellement mal aux yeux que je me suis dit que ça sert même pas. Ça sert à rien que je le fasse et je vais le faire en post-prod, parce que sinon je vais me bousiller tout simplement les yeux. Pensez à votre santé quand vous faites du make-up, c'est bien beau, mais il faut d'abord penser à ses organes en premier. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Donc je dessine, ensuite je prépare dans une caisse tout ce que j'ai besoin. Donc là, pour ce make-up là, je te raconte pas, entre la végétation, le maquillage face painting, le FX pour tout ce qui est colle à prothèse. Finalement j'aurais dû faire normalement mes racines en wax ou en sculpte gel, et disons que ça fait déjà 4 heures que j'y suis, donc je n'avais pas trop envie non plus que ça dure encore et encore. Mes pauvres oreilles d'elfes pourries, si vous avez un site où vous pouvez en acheter des biens, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos, parce que là ça se voit complètement que c'est des fausses, hein. Et ensuite, évidemment, ça s'éparpille dans toute la pièce une fois que j'ai utilisé un accessoire. Et je galère pour le retrouver. Donc non, les youtubeuses ne sont pas toutes très bien rangées, très bien organisées, blablabla. Il y a moi. Et c'est pas que j'aimerais pas, mais tout simplement, j'ai pas ce qu'il faut. Faut que j'investisse. Et là, étant étudiante, disons que je préfère manger que d'investir dans le make-up. On se comprendra. Alors qu'est-ce qui m'attend juste après ça? Ça va être démaquillage de ma face, lavage de mes cheveux et nettoyage de la pièce, qui va me prendre au moins une heure, je pense. Ouais, facile. J'ai enfin investi dans une petite télécommande, parce que à chaque fois, je galérais pour faire... En fait, je galère dans toutes mes vidéos, mais c'est pas grave. Je galérais pour prendre donc des photos, des trucs assez jolis. J'avais la petite zapette minuscule de Canon, mais en fait c'était de la grosse daube, j'en ai acheté 3. Sur les 3, il y en a 3 qui m'ont lâché. Donc bon, on fait le calcul, voilà. Donc j'ai investi dans un truc un peu plus conséquent, qui m'a coûté une quinzaine d'euros je crois, où il y a un fil branché sur ma caméra afin de pouvoir prendre des photos plus facilement. Donc je vais voir d'abord voir si les photos sont sympas, et ensuite je vais pouvoir tout démaquiller. J'espère que tu as aimé l'envers du décor de Perfection Imparfaite. N'hésite pas à rejoindre Tipeee pour pouvoir m'aider à ranger ma chambre. Je te fais d'énormes bisous, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Et à la prochaine, bye!